Et salut tout le monde, c'est Black Kite. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de construction modée dans Minecraft. Et donc aujourd'hui on est toujours sur le serveur Philomé, sur la station OpenCat, pour continuer la construction. Et aujourd'hui nous allons pas continuer l'extérieur parce que d'après ce que j'ai eu comme retour, ça ne vous a pas forcément plu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entre guillemets les finitions de l'intérieur de la station. Donc, par quoi nous allons commencer dans cet épisode? Eh bien, nous allons faire sans doute cette partie-là, en espérant que je ne bug pas. Donc, ce sera sans doute... Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Désolé, je lag dans cette zone-là, c'est horrible. Voilà, ici, ça va être juste de la décoration, en fait, juste du détail mural. Et ici aussi, sans doute, je pense, ouais... Ça devrait être ça. Voilà. Et puis, bah, bien évidemment, dans d'autres zones, par exemple ici, voilà, juste pour faire les petites finitions plus ou moins importantes. Parce que, d'après ce que je vois, et d'après ce qu'on a fait en off, on a quasiment fini toutes les parties importantes de la station, dont les dortoirs. D'ailleurs les dortoirs je vais peut-être les modifier aussi, mais voilà, on a quasiment fini toutes les salles importantes de la station, ce qui fait qu'on peut dire qu'elle est quasiment terminée, ce qui est une bonne chose parce qu'il était temps. Voilà donc on va commencer tout de suite avec... Alors on va commencer d'abord par les murs parce que pour le moment j'ai pas d'idée pour la petite salle qui est juste à côté, donc on va commencer par les murs. Donc on va faire un truc tout con, tout simple. Rien de très compliqué, juste histoire de faire du détail pour remplir le mur, entre guillemets. Voilà. Et ça va durer 2-3 secondes en plus. L'avantage de faire les finitions, c'est qu'on fait plein de choses, enfin c'est très rapide. Du coup, on peut vous montrer plein de choses et plein d'endroits différents de la station qu'on n'a pas vu depuis un moment. Voilà, alors je sais pas pourquoi je bug ici, je suis vraiment désolé, ça fait 12 FPS, c'est pas terrible. Vraiment, désolé. Tac, tac, tac. Alors je vois qu'il y a un trou là, je sais pas trop. D'accord, ok, rien d'important. Voilà, alors je suis désolé, je vais baisser mes qualités graphiques parce que là c'est vraiment short. Ouais, je me perds en short, c'est vraiment dommage, regardez. Je vois même pas le bout de la pièce. Excusez-moi. Voilà, ah oui, alors, j'ai oublié de commencer par ça. Je voulais dédier, entre guillemets, cette vidéo à Ernesto, donc The Ernesto 97, qui a une chaîne YouTube, vous devez sans doute la connaître, et je voulais le remercier puisqu'il a fait un don ce matin, ou cette nuit, par là, il me semble. Il a fait un... Oh, je bug vraiment dans cette salle, c'est horrible. Il a fait un don plutôt généreux. Donc Ernesto, je ne t'oublie pas et je te mentionne dans cette vidéo, et je vais bien évidemment dire la description que tu as mis à la suite de ton tips, qui est pas très importante, mais il a mis, en gros, je vais sans doute vous faire un montage avec ce qu'il a mis. Il a mis pour te soutenir dans ton projet à plus bro, je crois, un truc du genre, enfin. Ouais, je sais plus exactement, je suis désolé, mais voilà, je te remercie beaucoup Ernesto de ton don très généreux, et je n'oublie pas la contrepartie, enfin l'une des contreparties, qui est de te faire un avatar 3D sur Cinema 4D. Donc j'oublie pas, je ferai ça, et même je ferai ça sans doute en speed art. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les dons. Voilà, donc encore merci à Ernesto. Et puis on repart sur notre sujet principal qui est la station. Voilà. Alors je suis vraiment désolé, je bug vraiment beaucoup ici, c'est horrible, horrible et horrible. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Il y a vraiment temps que j'arrive à avoir un nouvel ordi parce que... Voilà. Tout ça on s'en fout. Voilà. Les détails. Crash, tout mettre en off, c'est horrible. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je lag autant, parce que je laguais pas autant avant. Rapide, ouais, short, max FPS. Bon, ça devrait aller. Bon, voilà.
Donc ça c'est dégueulasse. Premièrement. Le problème c'est qu'en fait on a un truc qui est en paire. Et dans la construction, faire un truc paire, c'est jamais très joli. C'est dommage. Alors attendez, on va pas mettre ça. On va mettre ça. Allez hop, c'est parti. Donc, sur quoi on va partir? Alors, je sais pas trop parce que les détails. Ouais. Ah si, ça c'est bien ça. C'est des boutons, ça prend pas beaucoup de place. Alors, il a dit. Non, on va pas mettre ça, on va mettre ça. Voilà. Comme ça, c'est pareil que sur la porte et sur les murs. Alors, comment on va faire? On va laisser deux de hauteur pour les personnes. On pourrait presque faire un truc comme ça. Ouais, non. On va laisser à la même hauteur. Voilà, donc on va faire ça. D'accord, désolé pour cette zone qui lague un peu. Je vais pas y rester très longtemps. Mais juste histoire d'avancer parce que ça n'avance pas beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà, c'était très la concentration. Ok, nickel. Alors, on va juste remplacer ça par ça. Voilà. Et voilà. Ok, donc on est bon. J'ai oublié de mettre ça ici. Pouf, on va mettre ça. Le fait de laguer, c'est un peu dérangeant pour poser les blocs. Voilà, nickel. Bon, du coup, on a un truc simple mais efficace. C'est juste histoire d'habiller un peu plus le mur. Ok, nickel, ça passe. Donc, du coup, j'ai toujours pas d'idée pour la petite salle qui est juste à côté. Donc, du coup, wow, on va s'attaquer. Oh putain, ça bug. Oh putain, c'est horrible. On va même pas faire les dortoirs parce que si je bug beaucoup trop. Alors, où est-ce qu'on va aller? Ah oui, il y a ici aussi à finir. Regardez, c'est horrible. Et je lag toujours autant, c'est bizarre. Alors attendez, on va s'éloigner juste pour voir. Wow. Ah oui, d'accord, ok. Je crois avoir compris. Weather. Clear. Voilà, déjà ça va m'aider à gagner quelques FPS. Le temps s'éclaircit. En plus, je suis con parce que au lieu de faire la commande. Ah bah non, j'ai pas. J'ai oublié. Donc voilà, ça devrait aller un peu mieux. Toc. Ah oui, donc ici, c'est le gros dawa en fait. Il n'y a vraiment rien de fait. Et en plus, je peux pas trop me permettre de faire. Détail parce que c'est des murs assez enfin des murs peu épais. Ouais, ça va être just in time, ce qui ne veut absolument rien dire. En tout cas, c'est pas en accord avec ce qu'on est en train de faire. Effectivement, c'est un peu la merde. Sur quoi on va pouvoir partir? On va faire un truc comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de détails en dessous de cette, on va dire, bah, pareil, au bout de deux blocs. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je vais pas mettre de détails en dessous. Ou en tout cas, de détails. Comme ça, les gens ont toujours deux d'espace ici, parce que un d'espace, c'est vraiment trop court. Voilà. Donc ici, ça va être la limite. Voilà. Donc on a une espèce d'accroche. Une espèce d'accroche un peu stylée. Comme ça. Merde, comme ça. Là, c'est un peu mieux. Déjà, j'ai 28 FPS.
Mais bon, 28 FPS, c'est toujours pas ça, quoi. Hein. On peut avoir mieux, je pense. Ok, donc, on va mettre ça. Est-ce que ça s'accroche? Non, ça ne s'accroche pas. Ça ne s'accroche pas, ça ne s'accroche pas. Ah, je peux peut-être faire un truc. Comme ça fait du détail encore plus détaillé. Je me suis... Hein? Oui, effectivement, je me suis fail. LOL. Lolilol. Comme on dit. Alors désolé, je parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais j'essaye de... Enfin, j'essaye de parler de moins en moins, mais... En fait, je me force à ne rien dire. Au lieu de dire n'importe quoi, voilà. Parce qu'il y a des fois où je dis n'importe quoi. Où je fais une commentary un petit peu foireuse. Du coup, bah, pour ne pas dire de la merde, bah, je vais faire ma gueule, voilà. Ce qui est totalement inutile, parce que du coup, je pourrais faire une vidéo en mode sourd, ça changerait rien. Voilà. Ou sinon, je peux prendre une voix de pas de podcaster, mais des gens qui font la radio... ou les spots publicitaires avec une voix bien grave et tout bien spécifique comme les voix off des films, est-ce que je le fais bien ça pourrait être sympa. Ouais, ça peut être pas mal ça. On peut faire aussi un truc comme ça, on peut imaginer que les tuyaux se rétrécissent ou pas. Toc. Merde. Voilà, pour que c'est quand même un minimum de RP. Voilà, on va faire comme si le tuyau s'enfonçait dans le mur. Et là aussi, on va faire une espèce de... Pouf, voilà, comme ça. Chut. Ensuite, on va finir... On va même faire l'angle. Ouais, voilà, pas mal. Avec... On peut faire un truc comme ça peut être sympa. Mince. Avec ça qui continue. Ah, putain, mais... Relou! Voilà. Voilà. Et voilà. Du coup, ça va faire beaucoup de frames. Peut-être un peu trop. On va voir. C'est bien des frames. Hein. Oui, c'est ça. Industrial frame. Avec mon full English accent. Yeah. Voilà. Juste, faut savoir que je suis très nul en anglais. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais... Voilà. Non, on va pas en mettre là. On va pas abuser non plus. Il n'y a pas des tag life. Ok. Alors. Ah si, je sais ce qu'on peut mettre aussi. Ça, en plus, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, ça c'est bien ça. Ça pour... Petit détail sympa. Qui paye pas de mine. Voilà. Donc ça c'est bien comme ça. Là, un truc plutôt sympa. Ensuite. On peut partir... Dans le principe... Ah si, je sais. Je sais ce qu'on peut faire en fait, pour faire genre c'est un tuyau. J'utilise pas souvent ça, on va mettre des trappes. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, du coup je suis obligé d'en mettre des blocs. Oulilol. Voilà, on va faire comme si les tuyaux étaient accrochés au frame via les trappes. Voilà, ça c'est cool. Déjà ça marche un peu mieux. Mince. Voilà. Et voilà. Merde, encore une autre. Toc. Voilà, là on est bon. Donc on a un truc plutôt sympa. Je pourrais même allonger le détail. Enfin, allonger. Ajuster du détail en faisant ça, mais... Je sais pas si c'est très utile. J'ai vraiment l'impression que c'est accroché. Je pourrais même carrément mettre directement des espèces de...
barrière comme ça, mais vu que les barrières ne s'accrochent pas au tuyau, bah c'est pas très utile. Peut-être trouver autre chose qui rentre bien. Ça, par exemple, des enclumes. C'est vrai que les enclumes, on les utilise pas, mais ça paraît bien. Wow, par contre, ça fait un bruit infernal dans mes oreilles. Ah, et par contre, c'est soumis à la gravité. Donc, je peux pas en abuser. Ouais, non, ça va faire bizarre. Donc, on va pas mettre de. On va en mettre autre part, mais on va pas en mettre là. Peut-être mettre autre chose à la place. On n'exploite pas assez les modes, peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des blocs comme ça. Ah, si, on a ça, du basalte. Basalt Pebble Slab. Voilà. Ouais, non, c'est pareil. Alors, peut-être qu'on peut remplacer et mettre ça à la place de la dalle en pierre. Pas des demi-dalles, voilà. Ouais, non, ça. Non. Non, merci. Et ce qu'on peut mettre aussi. Pipup. Pipup. Ça, c'est bizarre, ça n'active pas les trappes. Normalement, c'est censé activer les trappes. Bon, bah, c'est pas grave, tant mieux. Voilà. Comme ça, on peut imaginer que c'est un tuyau qui passe tranquillou. Ah, attendez. Ah, ça passe par contre. Voilà. Là, on est bien là. Mais par contre, ça fait toujours un petit peu trop. Voilà. Juste pour varier les plaisirs, on va mettre. Toc. Voilà. Ensuite. Bon, là, le tuyau est bien accroché. Là. On peut pas dire le contraire. Là, c'est un sacré tuyau. Peut-être imaginer. Non, on peut pas imaginer en fait. C'est interdit d'imaginer ici. Ah, on peut peut-être mettre des petites petites vitres, ça peut être sympa. Toc, toc. Ok. Voilà, j'ai fait une voix assez bizarre là. Ok, it's a good job. A very good job. Non, en fait, c'est du mauvais job. LOL. 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 Voilà. Tac. J'essaie des trucs, hein. Faut pas s'étonner. Du coup, ça fait trop bizarre parce qu'il y a des escaliers dans un sens et dans l'autre. Et du coup, ça fait peut-être un peu trop gris. Il faut peut-être remplacer les escaliers par autre chose. Ah, il y a ça aussi. Peut-être un peu moins gris. Genre ça. Ouais, mais du coup, ça fait bizarre. Parce que ça, c'est relié à rien du tout. Et en plus, ça accroche les barrières. Enfin, les barrières s'accrochent plutôt. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre là. Merci de me l'avoir rappelé, hein. Ah ben si, je sais. Ça, du coup. Merde. Voilà. Ah, ça fait une espèce de laser, c'est énorme. En regardant comme ça, on dirait un laser. C'est sympa. Du coup, je peux peut-être me permettre, mince, de faire ça sur le dernier étage. Mais voilà. Oups. Voilà. Ah, tiens. Petit bug, mais c'est pas choquant. C'est pas dramatique. Ouais, quoique non, c'est bizarre. C'est à moitié en fait lié, c'est trop bizarre. C'est comme si ça prenait comme un bloc, mais non, pas du tout. C'est assez spécial. Hein. Minecraft fait des choses bizarres, des fois, hein. Je veux pas dire, mais. C'est quand même un jeu assez buggé. Voilà. Bon, bah on est pas mal là.
Du coup, on peut peut-être faire un truc de genre. Ah, j'aime bien ce gris en fait. Il est assez sympa. Mais bon, quand on enlève le texture pack, c'est pas la même, hein. Ça, je peux vous le dire. Parce que ça, c'est des escaliers en cobble à la base. Vous imaginez un peu le rendu que ça fait. Espèce de... Et en plus, ça, c'est de la. C'est de la Nether brick. Donc, du coup, c'est dégueulasse. Ok, bon, du coup, alors je peux peut-être supprimer ça et remplacer par des barrières. Du coup, je peux faire un truc dans genre, voilà, comme si c'était accroché. Et puis, les barrières, comme ça, avec ça là. Bon là je peux me permettre de remplir un petit peu parce que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent là. Toc. Et toc. Voilà, nickel. Du coup on a un truc plutôt linéaire. Mais c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. C'est bon, voilà quoi, je peux pas faire autrement donc fais quitte. Hein. À un moment, se calmer quoi. Il y a un moment où tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Enfin, je peux peut-être... Ouais, non. Le bouchon est un peu trop loin poussé, Maurice. Lol. Voilà, quand je vous dis que je raconte de la merde. C'est pas pour rire. Voilà. Alors, je mets beaucoup beaucoup de frames, mais en même temps c'est un bloc qui a trop la classe. Mais c'est un bloc qui fait aussi beaucoup bugger. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi peu d'FPS aussi. C'est tellement bugué ce truc-là que... Enfin bugué. Ça fait tellement bugué que... Bah du coup, bah, je bug. Je bug. Je suis sûr, on aurait mis... Aucun de ces blocs, je n'aurais pas eu le même problème. C'est un problème. Ok, maintenant on va faire un copier-coller des familias. On va copier qu'à partir de là. Voilà, maintenant il faut trouver le milieu. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Là, on a combien? On a 1, 2, 3, et là, on a 1, 2, 3. Mais c'est parfait en fait. On va se mettre. Ici, on regarde en face, slash slash copie. Wow, peut-être qu'un jour je ferai un tuto World Edit, on sait pas. Ça pourrait être sympa. West slash past moins A. Et voilà. Ouais, du coup, ça, j'ai pas fait gaffe. Il faut enlever. J'ai la dalle. Comme Raphaël. Raphaël Nadal. Oui, c'est bon, moi. Pourtant, il est pas si tard que ça. Hein. Non, ce qu'on pourrait croire que je raconte de la merde parce que je suis fatigué ou un truc du genre, mais non, même pas. C'est ça le pire, c'est que je suis même pas fatigué. Ok. Donc, c'est peut-être le fait d'être tout seul. Sans doute ça, en fait. Bref. Ok. Alors ça va rendre un truc dégueulasse. Oui, ça marche. Donc, on a un rendu qui est pas dégueulasse. Wow. Un bruit chelou. Oups. Lol. Je viens de remarquer un truc en faisant tab. Peut-être que vous, de votre côté, vous l'avez remarqué, mais je vous dirai pas quoi. Enfin, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Puisqu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas... Enfin, qui vous permet de ne pas faire cette chose-là. Voilà. Ce que je viens de dire est totalement français et tout le monde a absolument compris, j'imagine.
Je vous emmerde. Les personnes qui comprennent, comprennent. Voilà. Ça, c'est quoi déjà le dicton? C'est... comprendra qui pourra. Voilà. Voilà. Le dicton marche bien. Comprendra qui pourra. Ok. Alors, j'imagine qu'on a le même problème. Oui, effectivement. Donc à la place, on va mettre... Qu'est-ce qu'il a mis comme bloc, là? Ah oui, ce bloc. Ce bloc est sympa aussi. Donc on va le mettre... Voilà. Donc j'espère que vous aimez la nouvelle série que j'ai sortie. D'ailleurs, je vois qu'on est bientôt à 25 minutes. J'espère que la série que je viens de sortir, là, sur Hunger Sable, vous plaît. Pour le moment, j'ai pas eu de retour, mais en même temps, je viens de sortir la vidéo, hein, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Je vous sors donc cet épisode... Ouah ! Cet épisode demain, donc jeudi. Donc je vais pas encore regarder les retours de Hunger Sable, mais en espérant qu'il soit... bien. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, donc, on a espèce de porte un peu chelou. Histoire... d'habiller le mur en fait, de mettre pas un truc tout con, dégueulasse. Alors, ici on a quoi derrière? On a une porte. Ça marche. Donc on va pas creuser en fait. Pas creuser. On va laisser. C'est un balcon un peu inutile d'ailleurs. Parce que attendez. Si on part dans le principe que la porte fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hauteur, il me faut 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ok, d'accord. Je le somme. Donc, je peux pas casser la porte pour garder du RP. À moins qu'on puisse imaginer que la porte se ferme en deux des deux côtés, du haut et en bas. De haut en bas, mais. Non, merci. Ça va pas le faire. Bon, bref. Moi, je crois que je vais laisser. Je vais vous laisser pour cet épisode. Je sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que ça fait bien 25 minutes. Et en plus, à mon avis, vous voyez rien. Putain, ça, à chaque fois, je fais pas gaffe. Mais avec la compression YouTube, ça cache les couilles, on voit que dalle dans ce genre d'endroit. Voilà, je mets une petite lumière pour que vous voyez plus clair. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Black Kite sur le serveur Philomé. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Aimez, commentez, partagez la vidéo. Et puis likez ma nouvelle outro parce qu'elle est stylée. Voilà, allez, salut tout le monde.